I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm-hmm. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. Before I'm too invested, I should probably ask you. Ask you all my questions. Get to know you better. Mon tout petit pote. Petite session. Dodo. Après les câlins du matin. Il est posé dans sa petite couette. Vu que j'ai ouvert la fenêtre, il fait un peu frais. Du coup, il est posé dans sa petite couette. Ah, mon loup. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, quand je vous avais fait le haul Koro, je vous avais montré ce que j'avais acheté sur le site de Koro. Quelqu'un qui m'avait demandé si je pouvais faire un retour sur le matcha. Je le teste depuis plusieurs semaines. Franchement, il est bon. Alors, d'habitude, j'achète le matcha Natae, j'achète pas le cérémonie parce qu'il est super cher. J'achète le classique. Et on sent quand même que c'est pas le même goût. C'est pas du matcha genre de très très bonne qualité. Il est quand même assez amer. Mais moi, je trouve qu'il est bon. Genre, j'ai déjà goûté des matchas plus chers et moins bon que ça, mais il faut avoir l'habitude de boire du matcha parce qu'il est quand même assez amer. Il y a des matchas plus chers qui sont beaucoup plus amers, et là pour 15€ le pot, franchement ça fait grave le boulot, donc c'est validé. Mon petit déjeuner de tous les matins, donc un grand verre d'eau, un matcha, clémentine, deux œufs et une tartine. Là j'ai mis de l'avocat, j'ai mis un quart, sinon des fois je mets du Madame Loïc ou ce genre de truc. Voilà. Bon écoutez, j'ai petit déjeuner, j'étais prendre ma douche pendant qu'Albus dormait, là je suis dans la chambre parce qu'il est encore en train de se reposer. J'ai été me laver, je me suis préparée. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, dimanche, Albus peut pas sortir faire de balade, donc je m'attelle à l'occuper tout au long de la journée. En général, toutes les 1h30, 2h, je le descends ou je fais une activité avec. Soit je le descends en bas, on marche, on fait un tour dans la résidence pendant 10-15 minutes et on joue un peu ensemble. Sans le faire courir. Je joue beaucoup de jeux où on tire sur la corde et tout. Soit je joue pareil dans la maison avec ses jouets, soit je fais du dressage, donc des tours assis, la patte, pour plutôt le fatiguer, on va dire, et le faire se concentrer mentalement. Des jeux de fouilles, enfin ce genre de truc quoi. Là ce matin j'ai déjà descendu, donc j'ai pris ma douche, j'ai fait mon petit déj, j'ai lancé une machine. Tous les matins c'est ce que je fais quand je me réveille. Le premier truc que je fais c'est que j'ouvre la fenêtre et je passe un coup sur le fauteuil et le lit pour enlever tous les poils, pour du coup être dans un environnement assez sain et propre la journée. Ensuite je le descends tout le temps pour qu'il fasse ses besoins et je lui donne à manger, donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Il a déjà pris son traitement, il a déjà mangé. Et là dans une semaine de convalescence comme là, j'essaie de l'occuper un maximum et qu'il puisse dormir pendant que moi je travaille, pour pas qu'il passe la journée à s'ennuyer. En temps normal la journée j'ai pas besoin de faire tous ces efforts parce qu'il a déjà fait une grande balade le matin ou le soir, mais là vu qu'il s'est blessé à la patte et qu'il est en convalescence, c'est un peu plus compliqué, donc je prends ce temps pour lui parce que c'est important. Et voilà quoi. Là il a bien dormi ce matin, il est réveillé, moi j'ai fini ce que je vais faire pour l'instant, donc je vais faire une petite session jeu avec et Enzo va rentrer ce midi, donc voilà, ça c'est cool. Thank you.
thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was eyes. If I close my eyes, demain tu vas te rebalader mon petit loup, on espère. Oui, demain ça va être la fête. Demain c'est le vétérinaire et ça va être la fête mon cœur. C'est à quelle heure qu'on se porte ce soir? Tu peux me donner mon téléphone? Il est là. À 18h15. Je finis à 17h. Demain, en tous les cas, à 20h demain, non négociable, je suis dans le lieu. C'est fini? Oui, mon cœur. Encore un petit peu les dents. Et je donnais ta corne. C'est comme ça que le jeu, c'est fini. Tiens. Bon, j'ai fait une petite session jeu avec Alus pour que ça le dépense un petit peu. Je l'ai sorti ce matin dans la résidence, mais c'est un peu compliqué de prendre la caméra dans la résidence. En plus, il pleut, il fait moche, je vais vous montrer. Voilà le temps qu'il fait. Je vais vous montrer après, quand je le sortirai tout à l'heure ce midi, comment je fais pour pas que son bandage soit mouillé, parce qu'il a pas le droit de mouiller son bandage. Je vais vous montrer comment je fais comme technique. Je l'ai sorti ce matin dans la résidence, on a fait un petit tour pour qu'il aille faire ses besoins, pour qu'il se dégourdisse les jambes. J'ai fait une pause pour jouer avec lui, le dépenser un petit peu, et là je vais laisser sa corne, comme ça il redescend tout seul. Regardez, hop, il est là avec sa petite corne. Un loup ? Comme ça, il redescend tout seul. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler pendant genre 2 heures. Et après, je le descends en bas pour qu'il fasse un petit tour, qu'il fasse ses besoins. Et comme ça, en remontant, il fait une sieste. Et pendant qu'il fait une sieste, je me fais à manger et je mange. Et ouais, c'est toute une organisation de ouf. Après manger, je vais travailler. Et 2 heures plus tard, je vais faire une petite pause avec lui. J'aurai encore un peu avec. Et je le descendrai s'il y a besoin. J'ai l'impression qu'il a plus envie de faire pipi que d'habitude. Parce que bah il est statique et qu'il bouge pas, d'habitude il fait pipi le matin. Après je le sors entre midi et 2 en rentrant des cours et il refait le soir. Mais là je le sors plusieurs fois par jour, déjà pour qu'il se décourtisse les jambes et aussi parce que j'ai l'impression qu'il doit plus aller aux toilettes, il réclame plus. Mais bon au moins ça veut dire qu'il s'hydrate bien donc c'est quand même cool parce que rester statique à la maison alors qu'il n'y a pas trop d'activité physique et du coup ça, j'avais peur qu'il ait moins soif, prenne moins d'eau mais c'est pas le cas donc je suis contente. Donc voilà, là je vous laisse, je vais travailler et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai travaillé pendant 2 heures sur mon ordi. Je me suis aussi occupée de réservation pour l'anniversaire de mon petit frère parce qu'il va avoir 19 ans. Donc du coup, j'ai réservé un petit truc pour son anniv. J'ai plein de messages. Du coup, je vais descendre à le bus. Je vais le descendre avant de faire à manger. Comme ça, je suis tranquille et il dort pendant que je mange parce que tout à l'heure, il est là. Et il dort pas, hein, Albi? Et non, tu dors pas. Et non. Oui. On va descendre une minute. Je vais vous montrer ce que je fais pour le descendre parce que comme je vous l'ai montré ce matin, il pleut. Et du coup, par terre, c'est tout mouillé et il faut pas que son bandage touche l'eau. Genre interdiction du veto. Je vais vous montrer la technique que je fais pour pas que son bandage touche l'eau. Je vous montre ça. Alors, je vous montre. Ce que je fais, c'est que je prends 2 sacs à crottes. Je les enfile dans mes mains. Donc un. Et le deuxième. Ensuite, une chaussette. Ça, je l'enfile dans la chaussette jusqu'au bout. Hop. Et maintenant, je passe bien comme ça. Et ça, je vais l'enfiler sur tout son bandage. Je vous montre. Albus. Hop, 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 hop. Oui, pas touché. Albus. Avec l'élastique, je fais comme ça pour pas que la chaussette glisse. Hop, voilà.
présenter. Voilà à quoi ressemble la chaussette. Vous voyez comment elle est mouillée? Heureusement qu'on fait cette technique parce que sinon on aurait dû aller au moins 3-4 fois chez le veto et changer son bandage. Voilà. Je lui ai donné un petit bout de concombre, comme vous le voyez, pour l'occuper pendant que je bosse. Si vous avez un chien, sachez que tout ce qui est dentastique et tout, ça se remplace par le concombre. On pense qu'en fait ça aide pour tout ce qui est plaque dentaire, mais pas du tout. En fait ça aide surtout pour tout ce qui est haleine, et ça se remplace par le concombre qui est un aliment qui aide pour l'haleine. Voilà, vous le savez, petite astuce. Et en plus c'est que de l'eau, donc ça hydrate aussi votre chien. On achetait des espèces de dentastiques de la marque Edgar Cooper, c'est déjà mieux, mais en fait ça se remplace par le concombre, donc ça coûte beaucoup moins cher et c'est plus naturel et c'est tout aussi efficace, voire plus. J'ai été le promener en bas, voilà, on a parlé avec la voisine, il a fait son petit tour, j'ai un peu joué avec lui. Donc quand c'est ça, je joue avec lui, mais je jette le jeu, mais pas super loin, genre à 1 mètre, histoire qu'il puisse quand même jouer. Ou alors je joue à tirer avec lui, comme ça il court pas trop sur sa patte. Et comme ça le dépense quand même. Et là, il a eu un petit concombre, voilà. J'espère qu'il va se poser parce que j'ai du boulot encore. Et du coup, je vais continuer à bosser sur l'ordi. Enzo devrait pas tarder à arriver. Donc il va pouvoir un peu prendre la relève et moi, je vais aller au sport. Et je vais l'aider pour sa petite patte. Ah bah c'est bon. Et allez. Albi, exagère mon loup. Donc je vais continuer à bosser en bonne compagnie, n'est-ce pas monsieur? Bon, je suis très contente parce que Enzo m'a appelé. Il a réussi à rentrer plus tôt, à avoir le premier métro après les cours, donc je vais pouvoir aller à la séance de sport que je voulais. Donc je suis très contente. Vu qu'on peut pas le laisser tout seul, il va pouvoir prendre la relève avec Albus. Et j'avais deux séances de sport, une plus tard et une dans 20 minutes. Et comme là il va arriver, je vais pouvoir aller à celle dans 20 minutes, donc je suis très contente. Par contre, j'ai un problème, c'est que j'ai remis le leggings que j'avais quand Albus s'est blessé, donc il y a un peu de sang sur le leggings. J'ai pas eu le temps de laver le leggings, heureusement il est noir, ça se voit pas beaucoup. Oh, Albus vient de lâcher un gaz. Bon, je vais vous montrer. Voici ça, Albus, t'es juste là, dis. Laisse-moi montrer quelque chose. Mais regardez-moi ça, là. Il va pas me laisser vous montrer. En gros, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai du sang. Là, j'en ai là. Et j'en ai aussi ici. J'en avais plein sur mes bras et sur mon pull. Mais ça, je l'ai mis au sale. Mais là, pour le sport, j'ai pas eu le temps de laver mon leggings. Donc je suis obligée de le mettre, sinon je peux pas aller au sport. Albus n'arrête pas de m'embêter. Mais en fait, il sent mon leggings. Je sais pas si vous voyez. Il sent les endroits où il y a du sang. Et il les lèche. Bébé, est-ce que tu sais que tu t'es fait bobo, mon loup? Bah oui. Ça me fait trop de la peine et je vais laver mon leggings de ce soir. Ce matin, j'ai fait une machine avec ses jouets. On fait souvent ça avec Enzo, on lave souvent les couettes d'Albus et ses jouets parce qu'on a un deux pièces, que sinon ça sent fort. Donc bien sûr, quand vous adoptez un animal, ça sent quand même un peu l'animal chez vous. Mais important pour nous quand même que quand on rentre chez nous, sachant que on bosse, enfin moi je bosse beaucoup de la maison, que ça sente bon, le frais. Même pour Albus, je trouve ça pas top d'avoir des jouets tout marrons. Donc on lave souvent ses jouets et ses couettes. Voilà. Là on a mis une grosse couette, une vieille couette à nous en fait. On a réutilisé pour en faire un deuxième étage sur son lit pour que ça soit plus doudouille. Et du coup on met des vieilles housses de couette à nous, genre ça c'est une housse de couette Reine des Neiges. Et comme ça en fait ça permet de souvent laver les housses de couette pour qu'il ait souvent un endroit propre et frais. Voilà, il y a 2-3 trucs qu'on lave moins souvent pour qu'il ait quand même ses odeurs et tout. Mais en général on essaye de laver quand même ses affaires pour que ce soit propre et que ça sente bon. Voilà, je vous laisse, je vais au sport sinon je vais être en retard. A toutes. Bon, je rentre du sport, on peut le voir à ma tête. Oh, je suis au bout de ma vie. J'en ai profité qu'Enzo était avec Albus pour faire deux séances plutôt qu'une. Donc j'ai enchaîné deux cours de sport. Je suis au bout de ma vie. Mais c'est tout, au moins c'est fait. Là du coup Enzo a sorti Albus pendant que moi j'étais au sport. On va attendre qu'il se calme parce que là comme vous voyez il est on fire. Albi ? On va attendre qu'il redescende. Et après on va lui donner ses cachets pour ce soir. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, il dort avec nous parce que franchement, tous les 5 minutes il lèche son bandage et faut qu'on l'interdise. C'est une galère s'il dort pas avec nous, donc voilà. Il dort avec nous toute la semaine, donc ça fait un heureux et voilà. Bon, petite update. Je vous ai dit dans la vidéo de dimanche que je vous ferai un update sur l'état d'Albus parce qu'on était chez le vétérinaire. Le veto nous avait dit lundi soir qu'il fallait qu'on revienne du samedi, ce qu'on a fait. Du samedi, le vétérinaire nous a dit qu'on était reparti pour une semaine. Il est juste là, je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais fermer ça.
Il a changé son bandage et en fait, il nous a dit que la plaie était refermée. En gros, pour faire une image, la plaie était ouverte comme ça. Là, elle est refermée comme ça. Donc en fait, la profondeur de la plaie était refermée, l'intérieur. Mais tout ce qui est en surface, elle est encore ouverte. Pardon, je vérifie en même temps qu'il ne mange pas son bandage. Là, il refaut une semaine sans sortie, sans balade, sans solitude, pour le checker, pour refermer du coup le reste de la plaie, donc superficielle. Voilà. Le problème, c'est que là, nous, cette semaine, moi, je ne peux pas rater 2 semaines de cours. La semaine prochaine, c'est les vacances, donc c'est compliqué. J'ai des rendez-vous avec des profs, des impératifs. Ce qu'on fait, c'est que quand on part, je lui mets plusieurs chaussettes, là, à son pied, et je mets du scotch médical. Comme ça, il peut pas enlever la chaussette. Et on essaie de faire le moins de solitude possible. J'essaie d'aller genre 2 heures en cours. Vraiment les cours que je peux pas louper. Et les rendez-vous que je peux pas louper. On n'a pas le choix de toute façon. Donc c'est comme ça. Normalement, à la fin de la semaine, là on a re-rendez-vous fin de semaine. Ça devrait aller. On serait bien parti avec 2 semaines avec cette histoire. Donc c'est comme ça. Je vais vous montrer un peu son bandage. Je vais vous montrer. Hop. Donc ça c'est son autre bandage, c'est un bandage noir, donc c'est un bandage plus fin que le premier. Puis arrête de lécher ton bandage, sinon... Vas-y, lèche ma main. Et c'est un bandage qui est plus fin que le premier, pour qu'il puisse avoir plus de mobilité, etc. Et c'est vraiment plus pour sa blessure en superficie. Donc on essaie de faire en sorte qu'il touche le moins possible, et normalement le veto devrait lui enlever ça jeudi. Et voilà, hier il a dormi toute la journée, il était pas très bien. Je pense qu'en sortant du veto, ça a dû le fatiguer et il a eu un gros coup de stress parce que le veto l'a emmené tout seul dans la salle derrière chirurgicale, quoi. Donc il n'était pas avec nous et tout, il était stressé. Et en sortant du veto, le lendemain, il était KO, il n'était pas bien toute la journée. Enzo est là. Je vais tourner la caméra. J'expliquais que du coup, on était reparti pour une semaine avec Albus. Ouais, mais donc après, on essaie de s'arranger comme on peut. Hein. J'ai l'impression que le bandage là, le veto l'a un peu plus serré. Du coup, il veut beaucoup plus le lécher. Le mâchouiller et tout, ouais. Et je pense qu'il a nettoyé sa plaie, etc. quand il a enlevé le premier bandage. Et du coup, je pense que ça a dû lui faire mal. On sent que c'est un peu plus dur pour lui là. Ouais. Parce qu'aussi, il reprend des forces. Qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour. Non. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est obligé de rester avec lui, parce que sinon, il n'arrête pas de toucher à sa patte. C'est ça, en fait, le risque, c'est qu'après ça devienne humide, ouais. Et en dessous aussi, et du coup, je sais pas, c'est pas bon quoi pour la côte. Ouais. Mais on va lui remettre une chaussette, là, j'ai enlevé la chaussette pour vous montrer, quand on met une chaussette, il lèche la chaussette, donc voilà, mais okay. On va lui remettre une petite chaussette. C'était pour faire l'update. Bon, bah voilà. Bon, tout ça pour dire, au moins vous avez l'update et vous savez où on en est du coup avec Albus. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une petite vidéo le mercredi, ça change. D'habitude, j'essaie de sortir un short le mercredi et une vidéo le dimanche. Mais là, franchement, j'ai tout donné sur le montage pour réussir à vous sortir 2 vidéos. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir un petit vlog ce mercredi. Et nous, on se retrouve dimanche du coup dans une nouvelle vidéo qu'on va tourner aujourd'hui avec Enzo. Vu qu'on va tout modifier dans l'appart. Donc normalement dimanche, petit appartement makeover. Donc on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Et nous on vous fait des gros bisous. Bisous.